vérité Aya. Vérité de vérité Aya. Réellement, moi j'ai l'impression que le peuple gabonais a un problème. Et le peuple gabonais fait tout pour ne pas s'aimer. Pendant la période du PDG, même pendant la période de transition. Pour moi, je me dis qu'en période de transition, on devait faire tout pour que le Gabonais puisse s'entendre et s'aimer. Parce que nous sommes en transition. C'est une période là où on doit régler nos problèmes. Parce que moi, je ne suis pas l'avocat de Blas. Je ne suis pas l'avocat de Blas. Je ne connais pas Blas. Je n'ai jamais salué Blas. Je n'ai jamais mangé 100 francs de Blas. Mais depuis un bon bout de temps, les gens sont en train de s'encharner sur Blas. C'est bien, acharnons-nous sur Blas. Mais vous oubliez que Akombessi a volé notre argent. Vous ne parlez jamais d'Akombessi. Parce que Blas est sorti, ok, ça fait l'actualité. Mais à un moment donné, il faut stopper. Et Liban Souleymane a volé notre argent. Il est parti. Vous allez me dire que, ok, Blanc, peut-être que son père est français, mais oui, mais Blanc vit au Gabon. Dès que Blanc est sorti de la prison, il est là. Il n'a jamais, il a voyagé, il est revenu. Et je pense que Blanc n'a même pas l'intention de quitter un jour le Gabon pour aller peut-être vivre en Italie ou en France ou aux États-Unis. Non, je comprends. On a tous fait des erreurs, Blanc a fait des erreurs, mais je pense que ce n'est pas le moment. Le gars sort, il sort de loin. Moi, je vous dis, je ne suis pas son avocat. Mais je dis, Blas sort de loin. Là, en ce moment, ce qu'il a besoin, c'est le repos. Et il a besoin de ressentir un peu d'amour. Maintenant, après, le reste là, on laisse à la justice. Je vous dis, je ne suis pas son avocat. Blanc qui est là, il m'a jamais donné 100 francs. Que ce soit les amis de Blas, qui tournent autour de Blas, m'ont jamais donné 100 francs. Mais depuis un bon bout de temps, je sens quand même que le gars est malade. S'il faut encore le foncer dessus, qu'est-ce qu'on veut? On veut sa mort. Nous voulons quoi? Sa mort. Il y a des gens qui ont volé l'argent dans ce pays-là. Ndosunaki. Mais parlez de sortir de l'argent, c'est les Ndosunaki. Ceux qui ont volé l'argent du Gabon et qui sont allés investir ailleurs. Il y a les Libanais là, il y a les Libanais à gauche, à droite là. Que je ne connais même pas les noms. Ils ont volé l'argent. On va vous dire les Bajades, les machins. Ils ont volé l'argent au Gabon là. Vous vous en prenez pas à eux. Vous vous en prenez à quelqu'un qui a l'amour de ce pays, qui a quand même fait manger certains Gabonais et des familles gabonaises. Non. Non, je ne suis pas l'avocat des Blancs, mais je suis quand même contre que l'on tire sur Blanc et que l'on laisse certains. One love au peuple gabonais.